Le Parti communiste aujourd'hui ouvre le dialogue, c'est extrêmement important. Toutes les forces progressistes aujourd'hui doivent s'interroger. On est dans une période extrêmement dangereuse, grave même, où les populations sont menacées par beaucoup de choses, dont la crise économique et sociale que nous vivons. Et il n'y a pas de pudeur à avoir pour se parler. Il est nécessaire de se parler, il est nécessaire de faire émerger des idées, il est nécessaire de nouer des convergences larges, sans a priori, sans sectarisme, pour trouver une issue progressiste aux crises qui existent et aux crises qui viennent. Et notamment, on a parlé des problèmes géopolitiques ou des problèmes financiers qui peuvent advenir avec une crise financière peut-être en devenir. Donc c'est extrêmement important aujourd'hui. Cette démarche est une bonne démarche, elle doit se multiplier et il faudrait qu'il n'y ait pas que le Parti communiste qui fasse ça aujourd'hui. Moi, je crois qu'il faut faire attention parce que malgré tout, quand on regarde pour ceux qui votent encore, le Parti socialiste reste la force principale à gauche. Et c'est composite, le Parti socialiste. Il y a des gens qui sont d'accord avec le gouvernement, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement. Il y a beaucoup d'électeurs qui votent socialiste parce qu'ils pensent que c'est moins mal que la droite, même s'ils sont très, très, très désespérés par ce que fait ce gouvernement aujourd'hui. Donc, le Parti socialiste, c'est pas un bloc homogène. C'est traversé de plein de choses contradictoires. Et il vaut mieux aujourd'hui lui parler, demander à ses militants de venir dialoguer, demander à ses dirigeants de manière exigeante ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils pensent, et les mettre dans un débat qui leur fasse enfin penser, et je crois que c'est très important, que non, il n'y a pas d'obligation aujourd'hui à suivre un cours libéral sur le plan économique et autoritaire sur le plan social, mais qu'il y a d'autres solutions que nous pouvons les créer ensemble.